Il y a quelques poèmes, effectivement, qui décrivent le ghetto, qui décrivent la période du nazisme, mais c'est toujours très très allusif et relativement, je ne peux pas dire coupé, mais il y a vraiment effectivement des images qui sont qui peuvent être perçues comme effectivement décrivant le ghetto, mais elle n'a pas fait une description spécifique, pas vraiment des poèmes qui sont dédié à cette mémoire-là. C'est plutôt allusif, ce sont des petites touches. Par exemple, elle va évoquer le pyjama rayé, le fait qu'on fasse Shabbat, même si Shabbat est réservé en fait aux morts, puisque Shabbat est transformé en Kaddish, puisqu'il n'y a plus personne. Voilà.